Ngaoundéré, chef-lieu de la région de l'Adamawa. La ville entretient depuis 4 décennies une relation toute particulière avec le président de la République Paul Biya. À l'image des autres villes de cette région, baptisée Château d'eau du Cameroun, cette ville a vu, au fil des ans, un certain nombre de projets visant à améliorer la connectivité avec d'autres parties du pays. Le développement des routes, la réhabilitation de certains axes ferroviaires, la création de l'université de Ngaoundéré, des grandes écoles de formation et l'introduction de programmes agricoles modernes ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations, lesquelles ont pris une part active à la cérémonie de projection cinématographique du film documentaire intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, le 16 octobre 2024. Film co-réalisé par Cathy Muba et Solange Edimo sous la supervision technique du cabinet civil de la présidence de la République et la coordination technique du ministère des Arts et de la Culture. La projection de ce film documentaire vous fera découvrir un être humain aux multiples facettes. Une personne dont le parcours est marqué par des moments de défis, mais aussi de grandes victoires. Ce président qui a su surmonter les obstacles avec un courage et une détermination qui nous rappelle que le succès ne se mesure pas seulement en termes de renommée, mais dans l'impact profond que l'on laisse sur la société et sur la vie des autres. La présence massive des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que celle des élites de la région de l'Adamawa, témoignent de leur attachement à l'œuvre de Paul Biya et de leur volonté de saluer sa contribution au développement du Cameroun. Plusieurs discours prononcés avant la projection ont mis en lumière les réalisations du président dans des domaines variés tels que l'amélioration des infrastructures, la promotion de l'éducation et la consolidation de la paix sociale. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, puisqu'il s'agit de lui, est un chantre de la paix, de la cohésion sociale et qui prône le vivre ensemble. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour apprécier le brassage des populations venues des 4 coins de la région de l'Adamawa et même du Cameroun tout entier afin de découvrir de leurs propres yeux le chef-d'œuvre artistique qui célèbre l'exceptionnel parcours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à la tête de notre cher et beau pays, le Cameroun, depuis 4 décennies. Je voudrais rendre donc un vibrant hommage au grand homme d'État, au destin prodigieux, son Excellence Paul Biya, qui est la raison d'être de ces films documentaires. C'est lui l'acteur principal de ces films. C'est l'homme du 6 novembre 1982, dont les actions ont permis la mise en place de la démocratie, de parachever du processus de la décentralisation. La projection de ce film documentaire riche en images d'archives et en témoignages émouvants a particulièrement captivé l'audience. Les cinéphiles ont unanimement salué la qualité de l'œuvre et sa capacité à rendre hommage à un grand homme dont le destin reste intimement lié à celui de la nation camerounaise. C'est un homme charismatique, un homme discret, un homme qui a œuvré pour la paix au niveau national et même en Afrique en général. On ne peut que dire merci à ces initiateurs et merci à la présidente de la République qui a bien voulu valider ce film pour que tous les Camerounais, surtout les jeunes que nous sommes, il fallait vraiment ce moment de rappel avant que nous grandissions et aujourd'hui nous le vivons vraiment pleinement. Je peux parler de ma commune pour dire que si aujourd'hui Maïe Darlé au niveau où elle est, vraiment c'est grâce au chef de l'État. Parce que c'est lui le fondateur, l'impulseur de la décentralisation. Sans cette politique de décentralisation-là, nous les maires, on ne pouvait rien faire sur le terrain. Au-delà de l'hommage, le film est aussi perçu comme une œuvre à forte valeur éducative.
c'est quelqu'un de pondéré, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de très réfléchi et c'est quelqu'un de visionnaire, un grand homme d'État. On a souvent des gens au pouvoir mais qui n'ont pas l'étoffe, la stature d'homme d'État et nous on a la chance de l'avoir. Et il n'y a qu'à voir toutes les évolutions méthodiques et pragmatiques qu'il a menées dans ce pays sans dérapage majeur. Ceux qui sont nés après sa magistrature sauront ce qu'il a fait avant et pendant son magistère. Ce documentaire sur ce thème exceptionnel nous permet d'avoir encore plus de précisions sur ses grandes qualités d'homme d'État. Et je vous souhaite que le parcours de cet homme exceptionnel inspire les générations actuelles et futures du Cameroun. Je souhaite tout simplement, à ma qualité de président des sections, que nous ayons ce documentaire à la base, que nous puissions également le diffuser à nouveau au niveau de nos sections pour une large diffusion, pour une meilleure connaissance de ce grand homme par nos populations de la base. Présidant cette cérémonie en présence du ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République Mouhammadou Moustapha, le vice-président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de préserver les acquis du renouveau. Le président Paul Biya demeure sans aucun doute une des figures les plus emblématiques et les plus énigmatiques de notre temps. En effet, il a su prendre en main son destin prodigieux, le porter en lui, le dominer et l'orienter selon sa nature exceptionnelle. Sur bien des sujets relevant des politiques intérieures et des questions internationales, le président Paul Biya nous est apparu comme un homme d'État providentiel. Au plan intérieur, il a suffisamment affiché sa stature de responsable, soucieux de l'unité du peuple, de la sécurité des personnes et des biens, de l'essor économique, du développement infrastructurel, sanitaire, culturel et sportif, de la jouissance des droits humains et démocratiques, de la pratique libre des croyances religieuses et j'en prie. Au plan international, il a clairement démontré sa dimension de responsable intransigeant, indépendance et l'égalité des nations, jalouse de leur souveraineté. Outre la projection du film documentaire, le public de Ngaoundéré a eu droit à un grand concert marqué par des prestations musicales de haut niveau. L'ensemble national orchestre de renom a captivé l'assistance avec un répertoire mêlant rythme traditionnel et moderne et mettant en avant la richesse et la diversité du patrimoine camerounais. Como en Andi, donde es un seco ni salí. L'événement de Ngaoundéré marque une étape importante dans la diffusion de ce film documentaire. Il s'inscrit dans une démarche de célébration et de réflexion profonde sur l'héritage et les œuvres du président Paul Biya, dont le parcours continue d'influencer profondément la vie politique du Cameroun. Bonita.
so se kan ne muane. Perfecto, perfecto. Wo wo ile si jama wala kuju sanjana. Perfecto, perfecto. Beka di ner ke so se kan ne muane.